Oh, et alors, Pearl? Allez, c'est pas le moment de flancher. Suivez-moi. Tu es fatigué? Non, non. Non, alors c'est bien. Parce que tu sais, il y a des choses que je dois te dire, c'est important. Je sais. Santana ne revient pas à la maison. Monsieur Capwell t'en a déjà parlé? Non, mais maman. Et elle m'a même montré la photo du journal. Pourquoi ils disent autant de mal sur Santana? C'est des mensonges. Mais... bien, tu sais, c'est dur à expliquer. Santana a vraiment renversé un piéton? Oui, c'est vrai, mais c'était un accident. Elle conduisait son auto sur la route, il faisait nuit et Eden se promenait dans le coin, alors... elle l'a heurté, mais elle l'a pas fait exprès. Si c'était un accident, elle devrait revenir à la maison. Oui, mais elle doit d'abord se reposer et elle reviendra à la maison plus tard. Tu sais, elle doit expliquer les causes de l'accident, même si elle ne l'a pas fait exprès. J'ai essayé d'être bien sage. J'étais tout le temps obéissant et calme. Est-ce que tu crois que Santana m'en veut? C'est pour ça qu'elle rentre pas à la maison? Non, non, Brandon, elle n'en veut à personne. À toi, peut-être. Quand elle te disputait, j'entendais ça. Et alors, ça me faisait peur. Non, Brandon, pardon, écoute, petit bonhomme. Les grandes personnes se disputent parfois. Elles peuvent même crier, c'est... tu sais, c'est pas grave. En tout cas, toi, tu n'y es pour rien. Est-ce que tu me comprends? Écoute, chérie, écoute. Écoute-moi bien, ce que j'ai eu de meilleur en me mariant avec Santana, c'est de t'avoir toi aussi. On va me garder longtemps ici? Eh bien, Monsieur Capwell voudrait que tu passes la nuit ici, mais ça ne change rien pour moi, je m'occuperai toujours de toi. Et Santana, alors? Oui, elle aussi. Et dès qu'elle pourra revenir, elle s'occupera de toi. Et elle reviendra vite? Oh, oui, très vite. Mais tu sais, il y a tellement de gens qui vont s'occuper de toi. Tout va bien aller, je te le promets. Il faut laisser à Santana le temps de revenir, moi c'est tout. La seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que je ne te quitterai pas. Je serai toujours là près de toi, tout près de toi, chaque fois que tu auras besoin de moi. Est-ce que tu comprends? Viens là, je serai toujours là pour toi.